Salut les loulous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite routine avec les déplacements qu'on avait vus sur la Jenga. On va utiliser les mouvements de bras, les déplacements, les changements de direction. Tout ça, on va l'utiliser pour en faire une petite routine, tranquillement. Je vais juste vous montrer quelques petites répétitions et après, n'hésitez pas à vous la repasser, à vous l'approprier tout simplement. Ou à prendre les éléments que j'ai marqués dans l'article et dans les autres vidéos et les associer les uns avec les autres et les autres avec les uns. C'est parti. Alors, pour le moment, on va se servir de ce mouvement de bras ici. Quand on passe la jingle, tout de suite, je vais faire mon petit changement de base. Ensuite, je vais faire mon changement de direction avec un quart de tour ici. Et tout de suite, je vais revenir ici. Et à partir de là, je vais faire mon changement d'espace avec le petit pas sur le côté. Je suis ici et là, je vais reprendre d'abord le bras qui va m'amener sur mon changement de base. Maintenant, je vais faire mon changement de direction. Tout de suite, je reviens. Et là, je fais mon changement d'espace avec mon petit pas sur le côté. Et c'est parti pour quelques petites minutes avec ce petit flow, cette petite routine pour se mettre en condition et surtout s'approprier un petit peu tout ce vocabulaire-là. Donc c'est parti, doucement, tchac. Et on essaie de donner une continuité. Voilà, comme ça, on prend son temps. Hop, on y va, on change de base. Changement de direction. Je reviens dans ma vie. Changement de direction. Depuis le bras. Changement de base. La direction. Voilà les loulous, voilà tout simplement ce qu'on peut faire de tout ce petit vocabulaire de la jing, de tout ce qui est changement de base, changement de direction, changement d'espace. Eh bien, on peut se créer des petites routines comme ça qui vont pouvoir augmenter notre flow, notre vocabulaire, notre aisance. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu as d'autres vidéos, bien sûr, sur la chaîne, sur le blog et sur le quilombo, parce que maintenant, on parle de quilombo. Je te spoil un petit peu tout. Des bisous dans ton cœur, le meilleur pour toi.